Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Super Talks, l'émission de Digischool qui vous éclaire sur des grands sujets d'orientation. Alors ce soir, on va tout vous dire sur les résultats parcoursus parce que vous allez recevoir les premières euh, réponses des formations auxquelles vous avez candidaté entre janvier et mars. Et donc on a plein de choses à vous raconter justement sur bah, comment répondre. Qu'est-ce que c'est une liste d'attente? Que faire si justement vos vœux sont en attente? Que faire si vos vœux sont refusés? Voilà, plein de questions auxquelles on va répondre ce soir. Et je suis accompagnée de Christophe Félix. Bonsoir Christophe. Bonsoir Marilou et bienvenue à PPA Business School. Merci beaucoup de m'accueillir dans vos locaux. On fait justement cette émission sur votre campus de Paris dans le 14e arrondissement et donc bah, pour rentrer dans le vif du sujet on va déjà faire un petit rappel sur les dates de la procédure pour commencer on va refaire un petit rappel des dates clés de la procédure pour cette année 2023 donc la phase principale d'admission commence donc ce jeudi 1er juin et elle durera jusqu'au 7 juillet pendant toute cette période donc, vous allez pouvoir recevoir des propositions d'admission des formations dans lesquelles vous avez candidaté et aussi pendant cette période les listes d'attente vont pouvoir évoluer sachant que les dernières propositions d'admission vous seront envoyées le 6 juillet. Petite nouveauté de cette année, si tous vos vœux sont en liste d'attente, il vous sera demandé de les classer par ordre de préférence entre le 30 juin et le 3 juillet. On vous mettra toutes les petites informations euh, dans un petit bandeau juste en dessous. Et dernière date clé à, re, à, pardon, dernière date clé à retenir, et on y reviendra tout à l'heure euh, avec Christophe, c'est le 15 juin. Le 15 juin, c'est le début de la phase complémentaire de Parcoursup. Et donc là, vous allez pouvoir reformuler des vœux. On y revient tout de suite. Maintenant que vous avez toutes les dates clés en tête, on va détailler un peu les types de réponses que vous allez pouvoir recevoir des formations. Il y en a quatre. La première, c'est un oui. Donc c'est une, proposi une proposition d'admission. Euh, vous avez donc une place qui vous est proposée dans la formation à vous de l'accepter ou de la refuser. Pour les licences uniquement, vous avez aussi la possibilité de recevoir une réponse qui s'appelle oui-si. Vous avez donc une place qui vous est proposée, mais vous êtes obligé d'accepter dans ce cas-là de suivre un parcours personnalisé. En fait, la formation en vous proposant un oui-si considère que vous avez peut-être besoin d'avoir une petite remise à niveau, un tutorat ou peut-être euh, un, un petit parcours qui va vous permettre de rehausser un peu votre niveau et tout ça dans l'objectif de réussir votre formation. Mais c'est bien une proposition d'admission. Le troisième type de réponse possible, c'est un non. Alors, le non, euh, c'est une réponse qui ne peut être donnée que dans les formations sélectives, c'est-à-dire des BTS, des BUT, des grandes écoles comme euh, PPA ou encore des IFSI. Euh, là, bah, votre candidature n'est pas retenue, mais il y aura plein d'alternatives justement dont on va parler avec Christophe et on y reviendra tout à l'heure. La dernière réponse possible dans les vœux parcoursup, c'est la liste d'attente. Donc, vous êtes en attente, ça veut dire que vous êtes encore en course pour qu'on puisse vous envoyer une proposition d'admission. Et pour ça, il va falloir attendre bah, finalement que des places se libèrent. Il faut bien noter que tout au long de la procédure, vous allez recevoir des notifications. Donc pas de panique, vous n'avez pas forcément besoin d'aller sur votre dossier tous les jours. Votre dossier Parcoursup est mis à jour tous les matins. Donc si vous avez une nouvelle proposition d'admission, elle vous sera formulée le matin. Pas besoin d'aller voir l'après-midi, c'est tous les matins. Et pareil, les listes d'attente vont bouger en fonction des acceptations et des refus des différentes propositions d'admission qui sont envoyées. N'hésitez pas également à télécharger l'application Parcoursup sur laquelle vous allez justement pouvoir recevoir toutes les notifications et tous les rappels liés aux dates clés dont on a parlé tout à l'heure. On va voir maintenant comment répondre selon les différents cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si vous avez reçu une ou plusieurs propositions d'admission. Bah, déjà, bravo, parce que vous avez obtenu une place. La règle de Parcoursup est que vous ne pouvez accepter qu'une seule proposition d'admission à la fois. Ça veut dire que si vous avez la chance d'avoir plusieurs formations qui vous donnent une place, vous allez devoir, vous ne pourrez en choisir qu'une et donc renoncer aux autres. Pour ça, pas de panique. Vous avez euh, quelques jours de réflexion justement pour euh, bah, continuer à vous renseigner sur la formation, euh, euh, aller sur des journées portes ouvertes, pouvoir discuter euh, avec des étudiants. Tout ça pour faire votre choix. En tout cas, il faut bien respecter les délais qui seront indiqués dans votre euh, dossier parcoursup en face des vœux qui sont concernés, parce que si vous ne répondez pas dans les temps, et ben bah, la proposition d'admission sera annulée et proposée à un autre candidat. Les dates limites justement pour répondre à ces propositions d'admission. Si vous recevez donc une proposition d'admission oui ou oui si, c'est aussi valable pour ce, cette réponse-là. Le 1er juin ou le 2 juin, vous aurez jusqu'au 4 juin pour accepter ou refuser. Si vous recevez une, proposi une proposition d'admission le 3 juin, vous aurez jusqu'au 5 juin pour répondre. Ensuite, si vous recevez des propositions d'admission entre le 4 juin et le 6 juillet, donc qui est la date de fin. De la procédure d'admission principale, vous aurez deux jours pour répondre. Par exemple, si vous recevez une proposition d'admission le 5 juin, donc au matin, comme on l'a dit tout à l'heure au moment de la mise à jour de votre dossier, il faudra répondre avant le 6 juin, 23h59 heure de Paris, parce que c'est l'heure qui est considérée par parcoursup. À noter aussi, euh, pour pas paniquer, vous inquiétez pas, vous pouvez accepter une proposition d'admission, mais aussi conserver des vœux en attente. Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes pris dans une formation, mais que la formation que vous visez en particulier, euh, bah, vous êtes encore sur liste d'attente, vous pourrez conserver votre vœu en attente. Euh, il faudra juste préciser dans votre dossier que vous souhaitez le conserver. Cas de figure aussi, c'est si vous avez déjà accepté une proposition d'admission et que bah, un de vos en attente, justement, pour un de vos vœux en attente, vous recevez une nouvelle proposition, vous pouvez l'accepter. Et donc, bah, évidemment, si vous acceptez une nouvelle, celle que vous aurez acceptée précédemment, bah, vous y renoncez. Et donc, la place sera proposée à un autre candidat. Pour info, donc on l'a dit tout à l'heure, vous recevez des notifications à chaque fois qu'on vous fait une nouvelle proposition d'admission. Donc, vous allez vous connecter sur votre dossier Parcoursup. Vous pouvez avoir une notification par mail, par SMS. Et il y a aussi votre responsable légal ou vos parents qui sont aussi informés dès que vous avez une nouvelle, une nouvelle proposition d'admission. Comme ça, vous pouvez répondre dans les délais. Le deuxième cas de figure, c'est si tous vos vœux sont en attente. Alors, bah, si vos vœux sont en attente, il va falloir attendre que des places se libèrent. Là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, sur votre, dans votre dossier parcoursup, bah, mentionnez bien quels vœux vous souhaitez conserver et ceux finalement qui ne vous intéressent plus. Là encore, ça permettra de libérer des places. C'est une question qu'on nous pose souvent tous les ans, là, depuis que la procédure est en place. Est-ce que j'ai mes chances d'avoir une place si je suis en liste d'attente Alors, c'est assez compliqué de répondre là comme ça, mais euh, vous avez à votre disposition des indicateurs sur la plateforme qui justement vont vous permettre d'évaluer un peu les chances que vous avez. Euh, vous avez, par exemple, votre position dans la liste d'attente. C'est ce chiffre-là qui va bouger tous les jours quand la liste d'attente sera mise à jour. Et donc, plus vous êtes vous avez un, un, une position basse dans la liste d'attente, si vous êtes deuxième, dixième, vingtième, et ben à chaque fois que des nouvelles propositions euh, vont être refusées par certains candidats, ben c'est à vous que les, les nouvelles propositions euh, d'admission seront transmises. Vous avez également à votre disposition comme indicateur le nombre euh, de candidats qui sont dans la liste d'attente ou encore votre position dans le classement. Tout ça, c'est des petits indices qui vont pouvoir justement bah, vous permettre de savoir si la liste d'attente bouge rapidement ou pas et bah, si justement euh, par rapport à des, 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 des propositions qui, étant, qui ont été envoyées les années précédentes, bah, si vous avez ou non justement vos chances euh, de pouvoir recevoir une proposition et d'avoir une place dans la formation. Et là aussi, il y aura des alternatives, on en parlera avec Christophe tout à l'heure. Le dernier cas de figure, c'est si vos voeux sont refusés. Alors, si vos voeux sont refusés, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que vous n'avez candidaté que dans des formations dites sélectives. Là, bah voilà, votre dossier n'a pas été retenu, mais il est donc. Euh vous avez donc la possibilité de re-réfléchir à votre projet d'orientation. Et donc, c'est là où, justement, avec Christophe, on va pouvoir parler des différentes alternatives que vous avez à votre disposition. C'est valable si vos voeux sont refusés, mais aussi si vous êtes sur liste d'attente et que vous avez un peu envie de reprendre en main, justement, votre projet d'orientation. Parmi les trois alternatives qu'on va vous présenter, il y a la phase complémentaire. Il y a les vœux en apprentissage, parce que oui, c'est encore possible euh, de faire des vœux en apprentissage sur Parcoursup. Et il y a aussi, bah, plus généralement, les formations qui ne passent pas par Parcoursup et sur lesquelles vous pouvez rentrer directement après le bac. Donc, Christophe, j'aimerais qu'on puisse parler justement ensemble des trois alternatives, parce qu'à PPA Business School, bah, on va pouvoir retrouver des formations dans chacun de ces cas. Exactement. Euh, mais déjà, dans un premier temps, et peut-être pour rassurer euh, tous les jeunes et les parents qui vont nous regarder ce soir, euh, si on réfléchit déjà à, 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 à repenser son orientation, euh, comment, comment on s'y prend Parce qu'on a déjà eu ce petit travail dans un premier temps en janvier. Comment on réfléchit finalement à son projet d'orientation quand on est en terminale Alors, effectivement, euh, Marie-Lou, pour, pour reprendre ce qui a été dit, cette phase, cette seconde phase, un peu entre la phase complémentaire, l'apprentissage, euh, et le hors parcours sup s'offre évidemment à toutes celles et ceux qui n'auraient pas eu leur, leur choix validé, mais également à ceux qui ont peut-être fait un choix rapide euh, en quelques mois, en début d'année, et qui euh, ont peaufiné leur projet, qui euh, souhaiteraient s'orienter vers d'autres directions. Alors comment s'orienter, comment prendre ces décisions Il y a différentes solutions encore offertes aujourd'hui. Déjà, les journées portes ouvertes. Beaucoup d'établissements, euh, comme PPA Business School, proposent des journées portes ouvertes tout au long de l'année, ce qui permet aux, aux étudiants de venir se renseigner. Euh, parce que choisir une formation, c'est évidemment euh, choisir un programme, choisir des débouchés, mais ceci choisir un, un lieu, un campus, euh, une dynamique d'école, et donc ces, ces possibilités sont, sont toujours offertes. On va faire un premier focus sur la phase complémentaire. Donc, on a donné la date tout à l'heure. Ça commence le 15 juin. Le principe de la phase complémentaire, c'est que vous allez pouvoir reformuler des vœux comme vous l'avez déjà fait au mois de janvier. À la différence que ce ne sont que dans des formations qui proposent encore des places. Mais c'est un peu le même principe. Voilà. Vous allez sur la carte interactive. Donc, on va chercher PPA Business School dans la carte interactive. Vous vous proposez deux formations euh, à PPA en initiale Exactement. Euh, donc à PPA Business School, on propose deux bachelors, euh, deux bachelors qui sont euh, éligibles par cours sup en phase complémentaire. Mmh. Le diplôme supérieur de marketing et de communication et le diplôme supérieur en management et en gestion. Alors pour avoir toutes les infos sur le déroulé de la formation, ce que vous allez y apprendre, bah, vous allez dans la carte interactive. Vous tapez PPA Business School et il y a, bah, comme euh, sur la phase de janvier à mars, la fiche de description euh, de la formation dans laquelle vous allez avoir plein d'infos. Mais comme on le disait tout à l'heure, Christophe, c'est vrai que cette phase complémentaire, c'est aussi la possibilité de, de re-réfléchir à son projet d'orientation. Pourquoi l'école de commerce, finalement, en post-bac, on va y apprendre quoi euh, dans les grandes lignes Il ah, y a beaucoup de raisons. <laughs> La première déjà, c'est, euh, en tout cas qu'on va proposer à, à, à PPA à Business School, c'est une approche euh, pédagogique orientée sur l'action, sur des cas pratiques. Euh, on, euh, on monte des cas, des, euh, des business games mmh. avec des partenaires entreprises et on va proposer à nos étudiants vraiment de, de travailler euh, sur ces cas tels qu'on travaillera en entreprise. Je me permets un petit exemple euh, sur le, le diplôme euh, marketing communication. On a travaillé, ça s'est terminé la semaine dernière, avec la marque Converse. Et on a proposé à nos étudiants de repenser euh, l'environnement euh, textile de Converse. Vous savez que Converse est une marque bien connue, qui est plutôt appréciée sur la partie sneaker. Et euh, aujourd'hui, Nike, qui est le propriétaire de, de Converse, euh, s'interroge sur comment redynamiser le textile. Et donc ce sont nos étudiants de PPA, Business School, qui ont travaillé sur ces enjeux euh, au sein de l'école. Donc c'est un exemple pour expliquer qu'une école de commerce... Certes, il y a eu de la connaissance, du savoir, mais au-delà de cette connaissance et de ce savoir, il y a toute une phase de, euh, de savoir-être, toute une phase de mise en pratique et de cas professionnels faits avec des professionnels en entreprise. Et c'est vraiment ça la caractéristique d'une grande école de commerce. Et ça va aussi permettre, si je ne dis pas de bêtises, de voir finalement plein de choses différentes et au fur et à mesure, bah, voir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, se spécialiser. Je crois que vous avez des spécialisations sur un de vos diplômes, justement exact. Exactement ça. Donc, déjà, ça permet de côtoyer des professionnels, des gens en activité. Ça permet de développer son réseau professionnel. Et puis, ça permet de voir vers où on veut s'orienter. Alors, nous, à PPA, on propose différents cursus. Sur la partie marketing-communication, on a effectivement une spécialisation plutôt orientée marketing, l'autre communication. Et sur le diplôme supérieur en management et gestion, on a une branche ressources humaines et puis on a d'autres branches orientées plutôt comptabilité ou finance. Voilà. Donc, c'est. Ces possibilités qui sont offertes aux étudiants euh, de choisir la voie dans laquelle il est euh, davantage fait. Euh, C'est quoi une. Quand, on, quand vous allez étudier les dossiers sur la phase complémentaire, est-ce que vous allez les étudier de manière différente que sur euh, la phase qui vient de passer justement en janvier et mars L'approche et les critères sont assez homogènes entre les, entre les deux phases. Donc on va reprendre. Les dossiers, on va reprendre le, le projet professionnel, la motivation euh, du candidat. On retrouve, nous, concernant en tout cas, des critères similaires. Oui. Vous allez regarder quoi dans le dossier des étudiants Parce que souvent, là aussi, attention cliché, on se dit l'école de commerce, c'est pas pour tout le monde. Parce que euh, je n'ai pas le niveau, parce que euh, j'ai pas encore mon projet professionnel très défini. Qu'est-ce que vous pouvez dire, euh, justement, pour casser un peu ces clichés-là Alors, je suis quand même d'accord sur un point. L'école <laughs> de commerce, en tout cas PPA, Business school, ce n'est pas forcément fait pour, pour tout le monde, mais peut-être pas sur les critères qu'ont ouais. en tête les étudiants. <laughs> euh, effectivement. Donc, on, alors on va regarder tout de même comme le dossier scolaire. On va être vigilant sur, euh, sur l'assiduité, oui. sur les remarques euh, qu'on peut faire les, euh, les professeurs, sur, sur le comportement en classe. Mais nous, ce qui va vraiment nous intéresser à PPA, en plus de ces critères assez classiques, c'est la, la motivation, oui. la détermination l'envie et la maturité de l'étudiant voilà donc un étudiant qui a une vraie maturité qui a quand même commencé à réfléchir à son projet professionnel et qui est prêt à s'investir vers son projet professionnel bah pour nous ça bah ça compte énormément ça compte énormément donc on va pas forcément regarder le meilleur en maths ou euh, en anglais euh, c'est un critère parmi d'autres et un critère qui est vraiment important c'est la motivation c'est le projet professionnel c'est vraiment euh, l'ambition de l'étudiant et euh, c'est quoi les modalités pour candidater Parce qu'une fois qu'on a formulé son vœu, donc en phase complémentaire, les écoles ont quelques jours pour étudier les dossiers. Euh, Qu'est-ce que vous allez en plus de, du, du, dossier, du dossier académique Est-ce qu'il y a des, un concours à passer Exactement. Alors, pour aller dans le détail, euh, nous, on demande, un, un, enfin, on fait passer un concours à nos, à nos candidats. D'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est important, c'est un concours qui est 100% gratuit. Euh, donc, les étudiants euh, qui, qui souhaitent. Euh, Tant TPPA Business School, euh, le font euh, gratuitement. Euh, ils vont passer le, le concours, l'analyse du dossier, et jusqu'à leur validation, ça ne leur aura rien coûté. Euh, revenons sur les critères. Un concours, un concours basé sur un test de logique, un test de culture générale, un test d'anglais. Ensuite, au-delà de ces trois épreuves, il y a un entretien fait avec un jury, ouais. en général soit un professionnel, soit un, un professeur de l'école pour justement s'assurer de la bonne adéquation entre les aptitudes du candidat, son projet professionnel et ce que peut lui proposer PPA Business School. Ouais. Et évidemment, je vous l'ai dit, une analyse de dossier. Ouais. Donc trois dimensions, l'analyse de dossier, les tests écrits et l'entretien oral. On prend l'ensemble de ces éléments, ce qui nous permet d'avoir une moyenne ouais. euh, et, euh, et de le valider ou non euh, l'étudiant. Et donc c'est un concours gratuit et ça c'est quand même top. Parce que justement, bah finalement, euh, ça permet d'oser. C'est exactement l'idée. Euh, nous, euh, l'objectif est que les étudiants euh, qui se posent des questions, qui ont envie de nous rencontrer, puissent frapper à la porte, venir passer le concours euh, et euh, qu'ils puissent euh, confirmer leur intérêt ou pas d'intégrer PPA Business School. Donc ça c'est pour là la, l'alternative phase complémentaire. Et euh, rappelons-le bien, ces deux formations dont vous venez de nous parler, elles sont en initiale. Elles sont en initiale et en apprentissage. Voilà, donc la transition est parfaite. La deuxième alternative que vous avez pour trouver votre formation pour la rentrée. Parce que oui, ça existe, les formations post-bac euh, en alternance, c'est possible. Et là, ce qui est trop cool, c'est que vous n'avez même pas de contrainte de calendrier. C'est dès maintenant, là, tout de suite maintenant, euh, vous pouvez continuer de formuler des vœux. Et là aussi, à PPA Business School, euh, vous proposez bah, des formations post-bac sur le même principe que celle que vous venez de nous présenter euh, pour certaines. Mais en alternance. Alors pourquoi opter pour l'alternance si on n'y avait pas pensé euh, entre janvier et mars euh, Pourquoi opter pour l'alternance dès la sortie du lycée Alors il y a beaucoup de raisons. Alors PPA Business School prône depuis, euh, depuis sa création le modèle de l'apprentissage et de l'alternance pour différentes raisons. Euh, déjà c'est une, une modalité de formation qui est particulièrement ouverte parce que quel que soit son milieu on va pouvoir intégrer ses formations. La formation évidemment euh, gratuite, financée par l'entreprise. Et en plus de ça, l'étudiant euh, est rémunéré en fonction de son âge, en fonction de son année d'études. Euh, elle est va entre 700 et un peu 1000, 1200 euros euh, par mois pour l'étudiant. Donc déjà, premier critère, bah, le critère financement euh, qui ne devient plus un problème, au contraire, un atout. Euh, deuxième élément qui est tout aussi important, c'est l'expérience professionnelle que l'on va avoir euh, dans, dans, durant sa formation. PPA Business School, lorsqu'un étudiant sort de, de master en cinquième année, en général, euh, il va être passé par trois entreprises. Et ces trois entreprises, et bah, ces trois arguments, ces trois euh, euh, expériences qui vont être valorisables euh, pour euh, intégrer un, bah, un emploi en CDI. Voilà. Et ça ne fait pas un peu peur de devoir trouver une entreprise quand on sort du lycée et donc on n'a pas vraiment beaucoup d'expérience à valoriser Comment, comment ça se passe euh, l'accompagnement de l'école justement pour ces candidats-là Alors, vous m'avez parlé de peur euh, pour trouver <laughs> l'entreprise et, et je le comprends. Et, et, et je voudrais parler de deux peurs en général qu'on veut avoir les, les étudiants. Euh, la première, et peut-être la, la première, c'est déjà la peur de bien s'orienter. Est-ce euh, que je fais bien de m'orienter sur une voie, je ne sais pas, en, en communication, en ressources humaines, euh, en comptabilité euh, ce qu'il faut savoir, en tout cas, nous, c'est notre vision à PPA, c'est que plutôt on intègre le monde de l'entreprise, plutôt on est confronté aux réalités professionnelles et on est sûr de faire le bon choix ou pas. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux se dire en première année après le bac, je veux faire des ressources humaines, mais in fine, une fois avoir travaillé en ressources humaines, les ressources humaines ne sont pas faites pour moi, que d'attendre la validation du bac plus 5. Ouais. Bon, la, la, la reconversion serait beaucoup plus compliquée. Ouais. Donc déjà... Euh, moi, je fais partie de ceux qui pensent que travailler, c'est un peu comme n'importe quel environnement, comme domaine sportif. Si on, est, euh, on veut faire un sport euh, d'équitation ou de la piscine, au lieu de lire ce qu'est l'équitation ou la piscine, il faut aller dans un bassin, il faut aller sur un, sur un cheval pour savoir si on est vraiment fait pour ça. Ben, c'est vraiment le principe de l'alternance et euh, c'est le principe de l'apprentissage. Ça, ça permet à l'étudiant, au candidat, de, de se tester, de travailler en environnement concret, réel. Et, et ensuite de confirmer son projet professionnel ou pas. Sachant qu'à PPA, on va vous accompagner sur la validation de l'alternance, on va vous accompagner sur votre choix de cursus. Voilà. Donc, ça, c'est une première crainte. Est-ce que cette filière est bien faite pour moi Donc, je tiens vraiment à rassurer. Un, on vous accompagne. Et deux, bah, c'est comme ça que vous le serez. C'est en faisant euh, votre expérience dans le domaine que vous serez ou pas convaincu de votre choix. Deuxième élément. Euh, que vous avez abordé, cette peur, c'est la peur de trouver un contrat d'apprentissage. Parce que c'est quand même la condition sine qua non pour rentrer dans la formation. C'est la condition sine qua non. Alors, il faut savoir qu'à PPA Business School, on a tout un accompagnement euh, sur l'aide, sur le CV, sur la lettre de motivation. Euh, à PPA Business School, nous avons 3500 entreprises partenaires et nous transmettons quasiment tous les jours des offres d'apprentissage à nos candidats qui ont été admis. Euh, en plus de ça, on organise ce qu'on appelle nous des speed meetings. Donc concrètement un speed meeting, c'est des journées euh, organisées où on invite entre 80 et plus de 120 entreprises au sein de l'école pour venir passer des, des entretiens de recrutement. Et c'est particulièrement utile pour nos premières années, donc à ceux qui sont aujourd'hui en terminale, qui n'ont pas forcément un CV avec beaucoup d'expérience, ben on va permettre à ces étudiants de rencontrer des, enfin, de rencontrer des entreprises qui recherchent. Euh, des profils qui recherchent des gens qui ont envie, qui ont, euh, qui ont de l'ambition. Voilà. Euh, on peut donner des exemples de formations justement qu'on peut trouver sur Parcoursup. Là pareil, le principe est le même. Vous allez sur la carte interactive et sur le moteur de recherche Parcoursup en apprentissage. On tape PPA Business School et là, bah, il y a toutes les formations, euh, c'est bien mentionné, en apprentissage qui, euh, qui apparaissent. Donc nous allons trouver nos formations de bachelor en marketing et communication. Nous allons également retrouver nos bachelors dans le domaine Finance, Comptabilité, Contrôle, Audit et en Ressources humaines. Est-ce que les modalités de sélection sont les mêmes que sur la voie initiale dont on a parlé un petit peu tout à l'heure Effectivement, nous avons les mêmes modalités d'admission. C'est vrai que sur la partie Apprentissage, on sera encore davantage vigilant sur la maturité professionnelle de l'étudiant. Même si on rassure. Les candidats, c'est normal qu'en terminale, on n'ait pas une idée ultra précise de ce qu'on veut faire. Par contre, on a des centres d'intérêt, on a des, 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 des affinités avec certaines thématiques. Voilà, c'est ça que vous allez essayer de regarder. C'est exactement ça. Euh, on a conscience qu'un étudiant qui sort de terminale euh, n'est pas encore un professionnel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il vient chez nous, c'est pour le devenir. Donc, ce n'est pas le sujet. En revanche... Euh, on sera encore plus vigilant sur l'assiduité qu'il pouvait avoir en cours. Parce qu'en entreprise, quand on commence par exemple à 9h, on ne peut pas arriver à 10h de façon répétée. Ça peut être un manquement réel. Donc on va, on va s'assurer du sérieux, de la posture professionnelle, de la présentation, euh, avec une plus grande vigilance pour les candidats en apprentissage. Et il euh, y a toujours ce concours qui est passé aussi pour les formations en apprentissage Le concours est le même. On retrouve les mêmes modalités. Concours écrit. Test oral avec un jury et l'analyse du dossier. Et toujours gratuit. La gratuité est le cas pour toutes nos formations. Alors c'est encore davantage le cas pour les formations en apprentissage parce que non seulement le concours est gratuit, mais la formation également sera gratuite vu qu'elle sera financée par l'entreprise. Donc, euh, si on récapitule rapidement ce qu'on s'est déjà dit, donc vous pouvez reformuler des vœux en phase complémentaire à partir du 15 juin. Vous pouvez, euh, dès maintenant, là, c'est encore possible, euh, faire des candidatures dans des formations qui sont proposées en apprentissage. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la troisième alternative aussi que vous pouvez avoir pour trouver votre formation pour la rentrée, bah, c'est finalement de passer par des formations qui ne sont pas sur Parcoursup, qui peuvent être proposées dans des écoles comme PPA Business School. Et là, comment ça se passe? Je voulais apporter un petit complément sur la deuxième partie. Dites-moi <laughs> Voilà. Euh, donc, je voulais apporter un petit complément. Euh, pour les phases en apprentissage, on peut postuler jusqu'au 12 septembre. Euh, donc, la, la date est longue, enfin, euh, c'est assez long, et ça peut se faire au fil de l'eau. Je voulais vraiment donner un conseil, une recommandation à, tout, euh, à tous les candidats, tous les, tout, toutes les, tous les bacheliers qui, qui voudraient partir en apprentissage. Certes, on a jusqu'au 12 septembre, ça peut paraître long. En revanche, comme vous l'avez répété, euh, l'élément déclencheur de la validation de l'apprentissage c'est aussi le fait de trouver un contrat d'apprentissage je donne le conseil qui est extrêmement important ne vous y prenez pas jusqu'au 12 septembre euh, parce que en plus d'être validé par l'école vous devrez trouver votre contrat d'apprentissage alors on va vous accompagner mais le plus tôt est le mieux voilà donc je tiens vraiment à insister parce que tous les ans on a des candidats qui arrivent Très tard, en se disant que Parcoursup, on a jusqu'au 12 septembre, soit il y a potentiellement plus de place oui, dans la formation. Dans la formation. Bah oui. Et deux, bah, lorsqu'on s'y prend très tard, il est plus compliqué vraiment de trouver un contrat d'apprentissage. Ce complément était nécessaire. <laughs> Et donc la troisième alternative que vous pouvez avoir, c'est donc de passer directement auprès des écoles. Euh, pour pouvoir intégrer les formations qui sont proposées sans passer par la plateforme. C'est aussi le cas de PPA Business School. Ça va être quoi la différence dans les formations qui sont proposées, celles qui sont sur la plateforme et celles qui ne le sont pas Alors, déjà, PPA Business School, c'est un, un campus aujourd'hui à Paris où on vous reçoit, Marie-Lou, mais on est également présent dans dix autres villes en France. Et, euh, et ce sont les formations parisiennes ouvertes sur Parcoursup. Donc déjà, dites-vous que... Sur les formations hors parcours sup', c'est 10 campus qui vont être ouverts à, bah, à l'ensemble des candidats. Et puis, c'est également des formations complémentaires qu'on va proposer à Paris. Alors, à Paris, ce sont particulièrement les formations commerciales, dans le domaine de la vente, du business, qui vont être ouvertes hors parcours sup'. Et comment ça se passe les, les modalités sont les mêmes, les, les deux candidatures Les modalités sont scrupuleusement les mêmes. Donc, pour candidater hors parcours sup', c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site de PPA Business School. Sur le petit onglet Candidater en ligne, vous sélectionnez la ville dans laquelle vous souhaitez candidater, la formation, et vous serez ensuite convoqué à un concours avec les mêmes modalités, test écrit, entretien avec un jury, analyse du dossier d'admission, enfin du dossier de, de candidature. Et euh, chez vous, vous, vous proposez des sessions en plus très régulièrement nous, nous avons fait le choix de proposer toutes les semaines deux concours d'entrée à PPA, le mercredi après-midi en distanciel, donc pour celles et ceux qui ne pourraient pas se déplacer dans les locaux. Et les samedis matins, au sein des locaux de PPA, euh, nous proposons ces concours. Est-ce que Christophe, vous pouvez nous, nous donner un peu des exemples justement des grands domaines dans lesquels on peut euh, faire des bachelors chez vous Parce qu'on parlait d'école de commerce tout à l'heure, qu'on apprend plein, enfin on, on peut être amené à, à apprendre plein de thématiques différentes. Est-ce que vous avez quelques, quelques illustrations justement Bien à sûr. nous donner Je vous donne des exemples. Je voulais préciser une chose, et c'est important de le faire les formations hors Parcoursup proposées par PPA Business School sont intégralement reconnues par l'État. Voilà. Il y a toujours cette oui. question qu'on peut se poser est-ce que si on n'est pas sur Parcoursup, oui. on est reconnu <laughs> Oui. Toutes les formations en Parcoursup proposées par PPA Business School sont reconnues par l'État. C'est important de le souligner. Alors, on va retrouver. Des formations telles que des formations en business development, euh, en, en management commercial, hein, pour le dire en français, en management commercial justement pour apprendre à, à développer, euh, développer des comptes, monter une stratégie commerciale, euh, faire du, euh, voilà, du développement grand compte. C'est des choses qui sont possibles. Des formations, par exemple, en gestion patrimoine, pour celles et ceux qui voudraient travailler dans le domaine bancaire, en tant que, que gestionnaire financier, patrimonial, gestion de fortune. Donc on a toute une panoplie, hein, on a plus de neuf filières ouvertes à PPA, donc le, le catalogue est assez étendu, en complément de celles disponibles sur Parcoursup. Vraiment, j'invite celles et ceux qui sont intéressés, qui sont curieux, à aller voir notre site Internet pour mieux découvrir ces formations, et puis le cachet échéant, venir nous rencontrer en JPO. Le 24 juin c'est ça Effectivement, la prochaine journée portes ouverte à PPA Business School Paris, c'est le 24 juin. Et nous on le dira jamais assez les journées portes ouvertes, on vous incite à y aller même encore maintenant pour faire vos choix justement d'orientation. C'est l'occasion de découvrir l'environnement dans lequel vous pourrez être, c'est l'occasion de discuter avec des étudiants et c'est des fois plus facile de discuter avec des gens plus ou moins de notre âge, euh, c'est aussi l'occasion de rencontrer les équipes pédagogiques pour avoir le plus d'informations possibles et donc réussir à vous projeter euh, bah, dans votre projet justement d'orientation post-bac. Merci Christophe. Pour tous vos conseils, pour toutes les informations que vous nous avez apportées, justement, sur les différentes alternatives que tous les candidats pourront avoir à partir de ce soir. Euh, N'hésitez pas, on le redit, à aller aux journées euh, portes ouvertes, justement, des écoles. C'est des super temps d'orientation et d'information. Merci de m'avoir accueilli sur votre campus du 14e arrondissement à Paris. Et nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles émissions d'orientation. À bientôt.